Nous sommes dimanche 1er septembre 2024, jour J-1 de la rentrée scolaire 2024-2025 en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité de 19h sur la télévision nationale congolaise. Ce journal, nous le démarrons par cette annonce. Évidemment, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a confirmé la rentrée scolaire 2024-2025 pour demain, lundi 2 septembre 2024, sur toute l'étendue du territoire national. Raïssa Malou a rassuré l'opinion sur l'étroite collaboration entre son ministère et celui de la santé pour protéger les enfants de l'épidémie Mpox. Reportage. Le réveil matinal sera un peu difficile pour les bleus et blancs dès ces 2 septembre 2024. Le cours reprenne. Une confirmation de la ministre de l'Éducation, Raïssa Malou. Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. La gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. À cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté avec le ministère de la santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les élèves, y compris le protocole sanitaire dans le cadre de la lutte contre le Mpox. Avant de se lancer dans le vif de la rentrée scolaire, dans le cadre de ses actions sociales, Robank prend en charge la formation de 100 femmes maraîchères de la ville de Mbujimayi. Elle assure également la scolarité de 60 orphelins du centre Alpha. Regardez. Dans le cadre de ses actions sociales en République démocratique du Congo, Robank a pris en charge la formation sur l'alphabétisation et la gestion financière des 100 femmes maraîchères de la ville de Mbujimayi en collaboration avec le centre Alpha. Témoin de l'événement, la bourgmestre de la commune de la Kanchi qui a remercié la Robank. Nous remercions aussi la banque Robank pour le soutien qu'elle apporte aujourd'hui à nos enfants orphelins qui résident dans notre commune de la Kanchi et aux femmes marchandes. Outre la formation, la banque a également contribué à la promotion des activités génératrices des revenus de ces 100 femmes en remettant à chacune d'elles une enveloppe symbolique. François Toko, responsable administratif de la région centre, nous en dit plus. Soutenir des enfants, donner des cahiers, soutenir les enfants pour une rentrée scolaire apaisée. Et tout cela entre dans le cadre de la Robank qui est proche de la population pour qu'elle se sente à l'aise. Les bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de joie en disant merci. Je remercie la Robank pour voir aujourd'hui les orphelins qui ont reçu les cahiers et les mallettes. Les femmes maraîchères ont reçu de vraiment soutenir surtout les mamans marchandes qui se débrouillent. La cérémonie a eu lieu ce mardi 27 août 2024 au centre Alpha situé dans la commune de la Kanchi. Nous sommes dans la ville de Mbujimayi. Dans la province de l'Équateur, la RTNC vient de procéder à la remise des enveloppes aux agents cadres et formateurs pour leur permettre de mieux organiser la rentrée scolaire 2024-2025 de leur famille. Suivez. Prenant la parole pour la circonstance, la directrice provinciale de la RTNC Équateur, Mimi Etaka Bosekota, a de prime abord remercié la direction générale à travers sa directrice Sylvie Elengue Nyembo pour cette impulsion qui consiste à donner une ère nouvelle à la RTNC, notamment pour le bien-être du social, du personnel de cet établissement public de l'État. Chers agents, cadres et formateurs de la RTNC Équateur, je prends la parole ce jour au nom de Madame la Directrice Générale de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, Sylvie Elengue Nyembo,
qui ne ménage qu'un effort pour le bien-être social de la radio-télévision nationale congolaise disséminée à travers la République. Ainsi, par cette impulsion de la direction générale, je me fais le devoir de vous remettre cette enveloppe, signe d'un bon leadership, pour vous permettre d'organiser tant soit peu la rentrée scolaire de vos familles respectives. Je saisis également cette occasion pour présenter à nos enfants une bonne rentrée scolaire. Très content de cet acte, combien louable, les agents cadres et formateurs de la RTNC Équateur, tous comme un seul corps, ont reçu avec enthousiasme ces enveloppes contenant les billets des banques et on remercie par la même occasion Madame le Directeur Général Sylvie Elenge Nyembo qui ne cesse de donner l'impulsion du bien-être social aux différentes stations provinciales du pays. Et dans la province du Lualaba, la présidente du parti FIDEC, Fifi Masuka, a remis des kits scolaires aux militants de son parti, ce dont a été transmis par la secrétaire adjointe de ce parti, Yvette Angoussi. Regardez. Tous les élèves vont retrouver ce lundi 2 septembre le chemin de l'école après 2 mois de vacances. En mère de famille, la gouverneure Fifi Masuka Saïni a, à travers sa secrétaire adjointe Yvette Angoussi, posé un geste de générosité de remettre des kits scolaires à tous les parents membres des 4 fédérations du FIDEC Kinshasa. Et surtout, en cette période où les parents d'élèves se cassent la tête pour se procurer des fournitures scolaires à leurs enfants à la veille de la rentrée des classes. Les enfants suivent mieux l'exemple que le conseil. Aujourd'hui, notre autorité morale est en train de suivre l'exemple du président de la République qui est son modèle. Nous sommes ici pour la représenter et pour faire cette activité. Dans toutes les provinces où nous sommes, nous avons remis des kits scolaires à nos bureaux fédéraux, à tous les membres du bureau fédéral. Ce don est constitué entre autres des sacs, des cahiers, des stylos, des lattes et plusieurs autres objets classiques. Les bénéficiaires ont à leur tour salué ce geste en promettant à la gouverneure Fifi Masuka de prier pour une récompense divine à la bienfaitrice. Pour la secrétaire adjointe, cette assistance constitue une des actions qui concrétise la vision de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, à sa famille politique. Et toujours dans la province du Lualaba, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaoumba, s'est rendu au quartier général de la 22e région militaire des FARDC où il a supervisé le début d'une opération cruciale visant à renforcer la sécurité provinciale, une initiative dénommée Opération Contrôle et Marquage d'Armes. Reportage. C'est un week-end pas du tout repos pour le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Roy Kaoumba Mayonde Philippe est allé assister au démarrage des opérations de contrôle et démarquage d'armes au quartier général de la 22e région militaire. Sur place, le patron de la sécurité au Lualaba a reçu les explications concernant les contrôles d'armes qu'utilisent les militaires et policiers de sa chère province. Il est à noter qu'à l'heure actuelle, tous les éléments des forces loyales Lualabé seront identifiables grâce au numéro des armes qu'il porte. Une opération qui vient ainsi croiser les attentes de son Excellence Roy Kaoumba Mayonde Philippe dans sa mission de protéger sa chère population. Nous voulons vraiment que toutes les armes qui sont détenues, que ce soit par les militaires, par la police et par les civils, soient très bien contrôlées. C'est à travers ce que nous venons de faire aujourd'hui que nous allons contrôler les armes. Tout ce que moi je demanderai, que ce soit aux forces de l'ordre, si on vous retrouve avec une arme qui n'a pas été marquée, on va vous arrêter. Parce que nous ne voulons plus de la criminalité dans notre pays. Profitant de sa présence au Kijé et loin des caméras, Excellence Roy Kaoumba Mayonde Philippe a échangé avec les responsables des hommes en uniforme sur les stratégies concernant la sécurisation de sa chère population, l'un des chevals de bataille de son mandat.
Nous allons parler à présent de cette remise des kits scolaires ici à Kinshasa par la fondation Kapinga. Regardez. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 2 septembre 2024, la Fondation Kapinga Mbadou Pamela a organisé un séminaire avec les enseignants de l'école primaire Mbokolo située dans la commune de Bandalungwa. Objectif, accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut construire un système éducatif de qualité en RDC. Je rends mes hommages le plus distingué au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis qu'un grand nombre de enfants congolais aient accès à l'éducation de base grâce au programme de la gratuité. Les leaderships et les changements de mentalité, voilà les thèmes choisis par la présidente Kapinga Mbadou Pamela pour sensibiliser ses enseignants. Les intervenants ont appelé les professionnels de la CRE à prendre conscience qu'ils sont un pilier social censé influencer la politique par l'éducation civique donnée aux élèves. Nous devons tout faire pour que l'enseignement puisse être relancé avec tout ce que nous avons appris pour essayer un peu de remonter le niveau de l'enseignement. Vraiment, je remercie la maman fondatrice Kapinga. Le séminaire m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Ça a amélioré ma façon d'enseigner. Les participants ont reçu quelques matériels didactiques comprenant des journaux de classe, cahiers, stylos et lattes pour bien préparer les cours. Ces bâtiments de l'école primaire Bokolo, qui a abrité ses enseignants en séminaire, a revêtu de sa plus belle robe grâce à la Fondation Kapinga Pamela, qui se veut un modèle de changement de mentalité. Nous allons à présent nous rendre dans la province de l'Ituri où le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, a inspecté les travaux de construction des ponts au quartier Bakongo et celui du boulevard Les Mbabo. C'était lors de la marche dans les rues de Bounia. Reportage. Des visites de nouvelles infrastructures en construction, visites des unités, rappel de consignes à ses frères d'armes déployés dans les quartiers périphériques de la ville. Ainsi, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyan Kachmadjouni, a eu les honneurs militaires au quartier Kolomani, situé dans la commune de Chari. Tout au long de son parcours, le chant, cri de joie, les salutations, contact physique avec sa population qui témoigne son soutien. C'est indéfectible d'accompagner le lieutenant général Bouyan Kachoma Djouni dans l'accomplissement de sa mission, celle de pacifier la province. Les autres n'ont fait que bouffer l'argent sans développer la province.
académique. Binaire Gustave retouché dans le cas de l'université protestante. La collation des grades 2023-2024, c'était hier. Le représentant et universitaire a procédé à l'ouverture de l'année qui suit. C'est un reportage de Chimène Dondo. Le recteur de l'université protestante au Congo, le professeur révérend Robert Kouimbibikan, a procédé à la collation de grades académiques de l'année 2023-2024. C'est samedi 31 août 2024. En présence de plusieurs autorités, entre autres, le représentant légal de l'Église du Christ au Congo, Mgr André Bokundoa, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et le professeur Sanguma Temongonde Mosai, ancien deuxième vice-président du Sénat. Après le mot de lauréat par leur délégué et rapport académique donné par le secrétaire général, le professeur révérend Robert Kouimbe, suivi de la proclamation de résultats et collation de grades académiques. C'est la grande joie de coller pour la première fois premiers finalistes qui ont suivi ce système LMD comme des bacheliers en droit, en économie, en administration des affaires. Et ça, c'est la première bonne impression. Nous avons aussi collé le licencié de l'ancien système, c'est leur dernière année, parce qu'on ne va plus coller les licenciés de l'ancien système. Le problème ne manque jamais. Ça n'a pas été facile de combiner les deux systèmes, surtout que nous devions être derrière les professeurs qui ont fait un bon travail. Je félicite tous les professeurs qui ont bien appliqué le système LMD à l'IPC. Nous voulons respecter le calendrier académique. Vous avez suivi même le chef de l'État et son Excellence, Madame la Ministre, insiste qu'on revienne sur l'ancien système. En juillet, on termine, en octobre, on commence. Et comme nous venons de terminer aujourd'hui, le 31 août, le 15 octobre, nous allons reprendre avec la nouvelle année académique. 400 étudiants ont satisfait à la première session. Une innovation, 12 étudiants ont été primés, faculté de droit, économie, théologie et sciences de l'information. Un bilan largement positif des activités académiques a été dressé par les autorités de l'Université Congo pour l'année académique 2023-2024. C'était au cours de la cérémonie de clôture de l'année académique qui a eu lieu le samedi 31 août 2024. David Moubenga pour le reportage. La clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Université Congo UCA ce samedi à Mbanza-Ngungu était une occasion de faire le bilan, selon le secrétaire général académique de cet établissement d'enseignement supérieur, le professeur Charles Mbedi. 136 étudiants, dont 61 femmes sur 150 finalistes inscrits pour l'année académique, ont obtenu leur diplôme, soit 91%. Ces finalistes sortent des facultés de droit, sciences sociales, politiques et administratives, sciences de l'information et de la communication, polytechnique, agronomie, ainsi que des sciences économiques. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a livré le secret de ces résultats. Notre arme magique demeure le sérieux. Oui, le dans l'organisation, le sérieux dans la formation, le sérieux dans l'évaluation, le sérieux dans le respect de nos engagements, bref, le sérieux dans tout ce que nous faisons. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives et judiciaires de la place, ainsi que du corps académique, des étudiants et leurs familles. Défi du métier d'avocat pour la femme en RDC, c'est le thème de la journée de réflexion organisée en télé ici à Kinshasa, une initiative de la commission genre du barreau de Kinshasa-Gombe. Cette journée a commencé par une marche de santé, nous dit Bobette et Engali Samba. Les femmes avocates font face à plusieurs défis d'ordre socio, culturel et économique.
pour en parler, elles se sont donné rendez-vous ce samedi à NK Beach Nsele. Objectif, allier des tentes et sciences. Cette initiative est de la commission genre du bureau de Kinshasa Gombe, présidée par Maître Olen. Parce qu'il y a quand même certains déséquilibres, c'est un métier très dur et les femmes peinent à s'en sortir comme les hommes. Alors on était en train de faire un diagnostic, de voir un peu quels sont les freins et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Au programme de cette journée, marche des santé et discussion. Parmi les orateurs du jour, Maître Madeleine Kalala et Maître Bébé Kasongo. L'aspect genre étant pris en compte, quelques avocats ont été associés à cette activité. La femme avocat doit d'abord se valoriser avant tout et avoir confiance en soi et se former. Autant les hommes, cela va les amener à enlever un peu ce complexe-là de supériorité face aux confrères hommes. C'était une journée riche en échanges. Les jeunes venus dans la profession ont appris des expériences des aînés. Un modèle de mentorat à encourager dans cette profession libérale et surtout exigeante et contraignante. Changeons de chapitre à présent. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée en République démocratique du Congo. La directrice adjointe du programme national de nutrition parle de l'importance de l'allaitement maternel et le code du substitut du lait maternel. Constance Mananga. Bonne pratique de l'allaitement maternel par la vulgarisation du code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel, directive sur la mise au sein précoce pour la lutte contre toute forme de malnutrition dans les 1000 premiers jours de l'enfant. Voilà des sujets ayant constitué cette séance de renforcement des capacités des membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE. Partenaire privilégié du programme national de nutrition Pronanut dans la sensibilisation de l'opinion publique, les RJAE a eu droit aux informations utiles pour s'y faire. C'est là dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Ce que nous attendons aux professionnels de médias, c'est de décourager au substitut du lait maternel. Après 6 mois, ça ne peut pas couvrir. À ce moment-là, nous allons recourir aux autres éléments nutritifs ou aux autres aliments pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant. Et si cet enfant-là n'est pas suivi dans leurs 1000 premiers jours, et dès que la malnutrition s'installe, qu'on n'a pas eu le temps de le corriger durant les 1000 premiers jours, la situation devient irréversible. Œuvrant pour la promotion des droits de l'enfant, le RJAE, par sa coordinatrice Bibiche Mouika, s'est dit prête à intensifier cette sensibilisation. Nous sommes un réseau de journalistes amis de l'enfant. Tout ce qui concerne les enfants nous touche au plus haut niveau. Et lorsqu'on nous associe pour la promotion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, ça peut que nous réjouir parce que ça rentre dans les cadres des activités que nous avons l'habitude de mener. Nous menons les actions pour promouvoir les droits des enfants dans tous les domaines. Le lancement de la semaine de l'allaitement maternel a été rendu possible grâce à l'appui de l'UNICEF. Allaiter correctement l'enfant au sein, c'est le sauver de la malnutrition. D'équipement médical composé d'un appareil scanner 116 barrettes et un appareil de mammographie 125 KVA a été offert au département de l'imagerie médicale de l'hôpital général ex-mama Yemo, nous dit Rodépanda. La joie exprimée par les personnels en liesse au département de l'imagerie médicale de l'hôpital général de référence ex-mama Yemo, c'est la résultante de la promesse tenue du docteur Jean-Paul Divengui, médecin directeur, avec son comité de gestion qui ont doté cet hôpital d'un appareil scanner 16 barrettes et d'une mammographie 125 KVA. Le chef du département de l'imagerie a avoué que c'est le premier équipement du genre obtenu sur front propre de l'hôpital Mama Yemo, plus de 20 ans après qu'un partenaire extérieur a posé un tel geste. Des joies pour l'hôpital général, particulièrement notre département, parce que comme j'ai eu à le dire, c'est le premier scanner que nous avons, un scanner propre au département. Je suis dans cet hôpital, ça fait plus de 20 ans, nous avons eu 2 scanners en location. Mais maintenant, nous avons un scanner propre à nous, c'est vraiment
un sujet de joie. Sans fausse modestie, le médecin directeur a remercié tout le personnel car, pense-t-il, cet exploit vaut le fruit de leur sueur. Une gratitude de taille réservée au chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa confiance en leur égard. Ces appareils sont mis en opération pendant que cet hôpital de transition n'a que quelques bâtiments pour son fonctionnement. En attendant l'ouverture du centre hospitalier universitaire La Renaissance. Kinshasa a accueilli le sommet des jeunes leaders africains, un grand rendez-vous de la jeunesse sur la paix organisé par le Conseil national de la jeunesse de la RDC. Cédric Enina pour le commentaire. Sur initiative du Conseil national de la jeunesse, Kinshasa a été pendant quelques heures capitale de la jeunesse africaine. Cette grande messe de la jeunesse africaine a connu la participation des 32 présidents des conseils nationaux des pays d'Afrique et plusieurs jeunes venus de 26 provinces de la RDC. Dans son mot des circonstances, l'ambassadeur William Mukambila a sensibilisé ses pairs à s'investir résolument pour la paix et le développement du continent africain. Et sans la paix, nous ne pouvons pas nous développer. Sans la paix, il ne peut pas y avoir du travail pour nous les jeunes. Sans la paix, et surtout la paix. Et cette paix, c'est justement la volonté dégagée de tout un chacun de nous ici. Et la paix pour l'Afrique, c'est la volonté dégagée de chaque peuple qui la compose. C'est pourquoi le Conseil national de la jeunesse a émis le vœu de pouvoir associer sa voix à celle de ses pairs au niveau africain, enfin de pouvoir accentuer sur la question de la paix dans notre pays. L'autre moment fort de ces rendez-vous de la jeunesse, ce sont les travaux en panel avec ces quatre intervenants de haute facture, le professeur Ndjoli, l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise et les vice-présidents de l'Union africaine de la jeunesse. Cette tribune de la jeunesse africaine s'est clôturée par une séance intéressante d'échanges entre participants avant de poser pour la prospérité et immortaliser l'instant par cette photo. Sur initiative du Conseil. Dans le cadre de ces rencontres à Kanana, le député national John Kabea Shikai a tenu un meeting populaire à la place Mukengeshai Bantu au cours duquel il a invité toute la population du Kasaï central à la paix, à la cohésion pacifique et au vivre ensemble. Reportage. Unissons nos forces, main dans la main, arrêtons nos guerres inutiles et que chacun apporte sa pierre au développement du Kasaï central. Voici les maîtres mots du discours de l'honorable député national John Kabea Shikai devant une foule immense venue nous passionner ce samedi 31 août à la place Mukengeshai Bantu lors de son meeting. John Kabea a circonscrit son discours autour de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble entre filles et fils du Kasaï central. Des membres des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, des leaders PCC Mosaïque, ainsi que quelques acteurs de la société civile, ont salué les discours de John Kabea, qualifié de rassembleur et pacificateur. Bien avant de clore son propos, un diplôme de bravoure et de mérite lui a été décerné par la structure MEC pour l'exercice de la bonne gouvernance et des actions réalisées à l'époque à la tête de la province du Kasaï central. Rappelons que le député national John Kabea Shikai est arrivé à Kananga pour ses vacances parlementaires depuis jeudi 29 août dernier. Pour terminer, sachez que le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moucheil Moutombe, a échangé avec le président des notables du Grand Kasaï sur la relance des activités agricoles dans cette partie du pays. Reportage. Après son séjour dans l'espace Kasaï, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moucheil Moutombe, a reçu dans son cabinet de travail le président des notables du Grand Kasaï, honorable Beni Kambay Chimbumbu, qui se bat pour que l'espace Kasaï ne vive pas seulement de mines, mais aussi et surtout de l'agriculture. Ensemble, ils ont évoqué la question de la mise en place de la grande commission d'enquête préalable des projets Nkwadi et Lubondai qui n'ont pas marché jusqu'à ce jour. J'étais fier d'entendre son Excellence Monsieur le Président de la République parler de l'ouverture des placards. C'est de voir aujourd'hui quand vous descendez sur un Kwadi, voir autant de tracteurs
qui ont été pratiquement abîmés, des choses qui ont été, des montants qui étaient dépensés au niveau d'un quadi, et la dépense effectuée en ce qui concerne le projet agro-pastoral de Libondaï, mais il y a quand même des gens qui animaient tout ça. Mais pourquoi ça n'a pas produit? C'est pour cela que nous devons attendre cette grande mission d'enquête et aussi insister pour l'accompagnement des coopératives agro-pastorales. Et juste après, le ministre Moutchaïl a échangé avec le recteur de l'université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kayembe, est venu solliciter son accompagnement pour l'exploitation de la ferme de l'université de Kinshasa d'une étendue de 410 hectares située à Njili Brasserie. Nous lui avons apporté le projet que nous voulons développer dans cette ferme qui a pour vocation la chose la plus importante, assurer la formation de nos étudiants à travers des travaux pratiques, mais aussi apporter des connaissances nouvelles en ce qui concerne le moyen de cultiver les semences aux maraîchères qui entourent déjà ce site de Njili Brasserie. En véritable homme de terrain, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchaïl Moutombe, a rassuré son soutien à ce projet pour lutter contre l'insécurité alimentaire et assurer la formation des étudiants. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis à partir du territoire de Mbanzangungu dans la province du Congo central. Au nom de toute l'équipe, la réalisation Chimène Dondo, la partie technique assurée à la prise de vue par José Dimonekene et Héritier Katendi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h Guy et Matundu. Nous souhaitons une excellente rentrée scolaire à tous les élèves. Protégez-vous et protégez vos proches. Au revoir et à la prochaine.